This guy is, he's found himself some minutes. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur NBA 2K19 pour la suite de notre carrière avec notre Elifor. Alors, la dernière fois qu'on s'est quitté, j'avais fait le match du 12 décembre face aux Pelicans qu'on avait gagné 77-49. Entre temps, alors, on a joué contre les Nuggets, on a gagné. Contre les Clippers, on a gagné. Contre les Bulls, on a gagné. Contre les Kings, on a gagné. Contre les Jazz, on a perdu. Et contre les Timberwolves, on a gagné. Largement. Et du coup, aujourd'hui, on va se retrouver déjà pour le match face aux Nuggets. Aux Rockets de Houston. Et après, c'est un match télévisé face aux Suns, mais les Suns, je les avais déjà affrontés en vidéo. Donc peut-être que je me ferai un des deux matchs contre les Mavericks pour terminer l'année civile dans le jeu et reprendre pour la suite. En plus, on aura une double confrontation contre les Mavericks. Donc pour l'instant, on va partir pour le match contre les Rockets. Mais avant tout, comme ça fait un moment que j'y ai pas joué en fait, et que du coup j'utilise tous les jours l'application MyNBA 2K là, ça me permet de ramasser des ici. Et j'en ai ramassé pas mal, puisque j'en ai 13884. On s'était quitté, j'étais au niveau 74, donc du coup, ouais, j'étais au niveau 72. Entre temps, j'avais augmenté de deux niveaux avec mes autres disciples gagnés. Et là, du coup, comme j'en ai 13 000, on va pouvoir augmenter quelques caractéristiques. On va déjà voir ce qu'on peut augmenter avec ce même deux ici. Il y a quand même pas mal de domaines que je pourrais compléter entièrement. Donc on va garder celles qui vont nous coûter le moins cher pour augmenter bien les caractéristiques à fond dans un domaine. Alors on a une distance, on est à 6000, on a les rebonds qui sont à 5700, c'est ce qu'il y a de moins. Donc 5700 et 6000, ce qui ferait 11763. Ok. De merde. Donc j'avais dit ça et ça, et on va pouvoir augmenter un petit peu quelque chose d'autre peut-être. On peut augmenter un niveau d'interception, ouais, un niveau d'interception, un niveau de contre, un niveau de détente, ça passerait. La rapidité latérale, la vitesse, ça passe, ouais, ça passerait. Là aussi, ça passerait pour l'accélération, pour la force, ça passerait d'un niveau. Là, on pourrait augmenter l'endurance de deux niveaux. Bon, l'endurance, on est déjà à 83, donc c'est pas la priorité. On va augmenter l'interception et peut-être qu'on peut encore augmenter les choses avec.
Ah, on peut augmenter quand même l'endurance. Ah, il nous resterait plus grand chose ici. On va en conserver un petit peu. On va augmenter 1 dans l'interception, 3 dans le rebond et 2 dans les shoots à mi-distance. Et on verra ce que ça donne. Du coup, on va passer au niveau 75. C'est cool. Oui. Je veux acheter ces points de compétence. Et du coup, avec ça, on a débloqué les équipements Mitchell Edness, la création d'un tir en suspension, un pack de ligue non équipe standard gratuit et 1000 points MP. Ah, ça c'est cool ça, même si je joue pas dans l'autre mode. Des réactions spéciales niveau 1, des animations de jeu personnalisées, la personnalisation du tableau des scores mon terrain. Ok. Ouais. Bon, c'est pas des trucs que je vais utiliser réellement. Sinon, entre temps, au niveau des insignes, donc j'en avais quelques-uns en max, pas grand chose, hein. Mais bon, on augmente nos caractéristiques petit à petit. Bon, allez, trêve de blabla, on a déjà perdu 6 minutes, donc direction le match contre les Rockets de Houston. Donc si vous êtes en galère de VC, hein, je vous conseille vraiment d'utiliser tous les jours l'application MyNBA 2K. Honnêtement, moi ça m'a été utile. Parce qu'il y a quand même 600 VC par jour à prendre dans l'application MyNBA 2K. NBA 2K TV fans, we're doing things differently this week. I'm taking over NBA 2K TV. We're starting from behind the scenes in my actual tour. Here's your backstage pass. Hey man, let's take that on a trip, man. It's the 2K Sports pregame show. C'est Noël. Ouais, dans le jeu. Bientôt pour nous. Au niveau de mon personnage, je l'ai à nouveau mis une coupe de cheveux un peu grisonnante comme la barbe, parce que voilà, mes cheveux ont repoussé entre temps, et c'est vrai que j'ai de plus en plus de cheveux gris, que ce soit au niveau des cheveux ou des poils dans la barbe, la vieillesse. Et du coup j'ai appuyé un peu trop vite, mais j'ai pas eu... Voilà. Il y a des nouveaux pouvoirs, notre joueur. Il passe à travers les murs et à travers les... Allez, il passe à travers les murs, il y a un nouveau pouvoir. C'est un mutant. J'espère que je vais pas se passer à travers le ballon ou à travers les joueurs aussi. Du coup, en fait, pour l'instant, on est sur un bilan de 25 victoires et 7 défaites. On joue contre les Rockets qui sont à 24-8. Un match qui promet. Un match qui risque d'être très serré. Va falloir continuer et enchaîner les bonnes performances. Comment c'est le faire? Allez, ça part de trop là. Allez, c'est parti. Face à un ancien joueur d'OKC, Carmelo Anthony. Well, it told me that James Harden was trying harder. Allez, le premier rebond. Alors nous, on a comme personnage à garder, c'est il me semble Marcus Smart.
J'ai pas vraiment fait gaffe, mais il me semble que c'est lui, le numéro 0. I know for a fact, my sons have told me that. My buddy Jalen played for them. They didn't even address defense. So you put him with James Harden and didn't care for a while there anyway, and you just think this is going to go bad. C'est Harden le danger principal de cette équipe, hein, évidemment. So here's Oklahoma City starting group. Ouais, c'est bon. Il rate, rebond de Steven Adams pour Russell. Attention, Paul George qui a failli perdre la balle. Il la transmet. Allez, première action et on marque. Le shoot était un peu tôt d'après le jeu, mais bon, c'est pas grave, l'important c'est que ça rentre. Ah, il va y avoir la première interception et du coup, ouais, j'étais pour marquage. Et heureusement, ça rate. Encore le premier shoot à 3 points, ça rentre pas. Even before Dwight Howard, Bill, left the Rockets, Clint Capella became the clear heir apparent, it seemed, at that center position for Houston. Ouais, c'est bon, Harden ira, on prend le rebond. In that draft. That's about as well as you can do. That's my hope for the Celtics with Rob Williams. Mm-hmm. Ah, dommage. 7th, and you just hope he's this guy above the rim, shot blocker, athlete, and kind of teach him to do everything else. Mm-hmm. Ça bouge beaucoup. Oui, c'est perdu pour eux. Allez, peut-être une passe verte. Ah, il perd la balle. Allez, Capella qui a pris le meilleur sur Adam. Allez, celui-là il rentre. Timing excellent. AI's got 5 points so far. How about that strong pick by Westbrook? On a bien pris notre temps pour prendre notre shoot. Bill, we know when you're writing that you love to incorporate pop culture references. How did that begin with you? Well, it began because in college, I was dropping them in columns and people were responding. I think. Allez, hop, encore un rebond. Allez les gars, montez. Ouvre ça. Ok. Elle était pas du 7 parce que je l'ai fait. Ouais. Ça ressort. Et je te fais un écran. Bien joué. Et 3 points dans la boîte. I'm getting to know you. What are the three things we're going to talk about? I didn't want to talk about politics with anybody, so the other two things for me were sports. Allez, premier temps mort demandé par les Rockets. In the 70s with, alors qu'on mène 10-2. Only 5 or 6 TV channels. Bon début de match. Brady Bunch, Partridge Family, Sanford and Son, Jefferson's, Good Times, all that stuff. And, you know, that stuff just soaks into your DNA, and that's it. Ah bah, coach, il me sort. Du coup, on rentre à 4 minutes 17 de la fin du second carton. Et notre équipe mène 20 à 1. Donc ils ont quand même réussi à conserver l'écart. Ouais, écran illégal. En plus, c'est sur moi. Chef, chef. Ah, c'est Schroeder qui est le meneur. And Bill, in talking about the connection between pop culture, sports, and basketball during your career, through it all, you've always been a writer, though, haven't you? Always been a writer. Only that was the only child of me. The thing is, though, I would have watched more basketball, but basketball wasn't on. You know, I try to explain this to people how lucky they are to be able to watch. They can't believe these. On prend quelque chose de chaud, mais c'est vrai. Well, just but think about the day to day, right? Like Magic Johnson. J'étais un peu osé à quelques secondes de la fin de tenter ça. D'ailleurs, je sais même pas comment j'ai fait pour marquer en vrai. C'est Harden qui est froid, c'est bizarre. USA, I think, got the contract in maybe 1982. But I love George Gervin. I probably saw him play in person twice. D'ailleurs, j'ai même pu penser à regarder aussi. Je sais que normalement j'ai des bonus pour certaines choses de réaliser dans le match. Je crois que déjà 3-3 points, normalement j'ai un bonus. Après, il me semble que je dois faire 3 contre dans le match pour avoir un autre bonus. Allez, ça rentre.
Spurs set a new season high for him. Non, ça rentre pas. Adams, Adams, bonjour. His numbers were off the charts. Yes, troisième 3 points. Du coup, normalement, j'ai mon objectif déjà. David, appreciate the report. He was a one-man show in that game. Pour gagner un peu de petit en plus. C'est pas énorme ce que je gagne, mais bon. Allez, c'est bon, il a raté. Et pas dans le match, Harden. Allez, la faute de Tucker. T'énerve pas, reste zen, reste zen. Allez, premier lancé dans ce match. Et je rate. C'est toujours mauvais au lancer franc. Ouais. Toujours 1 sur 2 en général. Clint Capella, he's checked in for Nene. Marquise Chris comes in for PJ Tucker. Carmelo Anthony has checked in for James Ennis. And it's Brandon Knight in for James Harden. Ah, il le met, Carmelo Anthony. That was big, because they dug a big hole in the first quarter, but starting to show signs of life. Sometimes, for whatever reason, a lot of times you don't know why it takes a little while to work the knots out, but it looks like they're putting it together right now. Tranquille, hein. On est bien en train de les martyriser là, quand même. Ah, attention, tout ça, les 3 points. Ah, ouais. Et Carmelo Anthony, il est bon aussi, les 3 points. On peut pas le laisser tout seul, les mecs. Attends, c'est quelque chose de difficile, mais ça rentre. Quoi. Ah, laissez-moi passer, que j'aille sur mon bonhomme. C'est mes propres équipes qui font un écran. Avec Carmelo Anthony, et c'est raté. Yes, un petit rebond pour nous. Allez, pour Russell, Russell qui tombe tout seul. Ah, c'est raté, on n'est pas le premier rebond. Kevin, he's got a very loyal fan base and readers and viewers that share his vision, not just on sports, but on life. On a le takeover qui commence à s'allumer là. Westbrook va essayer de remplir la jauge, même. AI left side, outside Westbrook. Here's Robertson. Ouais, bien joué ça. Nice pass. Let him to the rack. Bien joué la passe. AI's got 18 points. It just seems like the more he touches it, the more the. Allez, on va l'activer quand même au takeover. Parce que le carton est bientôt fini, mais sinon on va le perdre. Enfin, il me semble. Anthony against George. Ouais, le contre sur Carmelo Anthony. C'est cool ça. Est-ce que c'est grâce au takeover que j'ai bien réussi mon contre? Je sais pas, mais en tout cas ça fait plaisir. Et j'ai réussi un contre déjà dans le match. Allez hop, le rebond pour nous. Ouais, j'ai pas tenté un shoot lointain comme d'habitude, parce que ouais, pour le tuer des statistiques non plus. C'est une chance sur 1000 que je mets. Thanks very much. You are having a terrific season so far. As we talk about All-Stars, your name is right in the mix. Now, is that something you're thinking about? Pensez-vous que vous allez être sélectionné pour participer au Star Game? Je pense pas. You know, it's funny, DA. My teammates keep telling me, you know, you're going to be an All-Star, but you know, I don't want to hear it, honestly. I'm not thinking about that yet. I don't want to have any distractions. Yeah, I just want to keep doing what I've been doing, but I mean, thank you for that. Well, if you keep doing what you've been doing, you're going to get a lot more things just like that from your teammates. Bright future. Thanks for the great interview. J'avais besoin que de 1% dans l'entente pour être à 100% à nouveau. 500 fans de moins. Tant pis, hein. Pas grave. Se classer juste en NBA. Ok. Ouais, on va passer des trucs. Ouais. Progression insigne. Marqué. Ah ouais, c'est nouveau ça, il n'y avait pas avant. Ok. Ah, c'est bien, ils me disent. Quels insignes on peut encore améliorer. Et on a toujours notre découvert. Oh cool. Yeah,
Cool, on n'a pas perdu le takeover. Perfectly using his size and that soft touch inside. That's a heck of a combination. Strength, size, and soft touch. Nice. Over on the wings, it's Harden paired with Melo. Clint Capella is up there with Chris, and it's not. Ah, ça y est, on a plus le takeover. The group for Mike D'Antoni start the second half. We always talk about the need for front court players who can both shoot and defend along the perimeter. Clark, if you're taking that in mind, who would you point to as the prototype? Allez, c'est bon, c'est raté, on prend un rebond. Potential in that regard is Joel Embiid. I mean, he's agile, he's got a nice touch. He's got three point range. He's got post up ability. Oula, oula. Oh. Je sais pas ce qu'il nous a fait Paul George là, il est parti dans un festival. Un festival d'un peu nimp quoi, mais c'est rentré, c'était beau. Allez, c'est bon, Harden qui a raté 3 points, c'est bon pour nous ça. Ah, je rate aussi, mais Adam s'il a bien suivi, l'a géré. Yeah, starting the second half nicely there. Love those easy lay-ins to get things going. Un nouveau temps mort des Rockets. Alors que le score est de 41-25. Now a timeout called by Houston. Ça c'est bon ça. You know, in recent years, the Rockets have not lacked for critics. I mean, they're a jump shooting team. They're bean counting front office. Ah ben, du coup, coach il me sort à chaque temps mort. Mais allez, on rentre 48-33. One ten left in the third. Harden finds Tucker. Tucker, tu passeras pas. Shot by Gordon, wide open. Ah non. The assist that time from Harden. Harden's got three assists now in this one. Here's Schroeder. He has five. In the corner, it's AI. Ah non. Off target from outside. Il n'y aura pas la réponse à 3 points. Outside Gordon. Pass to Tucker for 3 and another three for Houston. Yeah, they're relying on. C'est de ma faute, les mecs. C'est de ma faute. Sorry. Outside Felton. In the corner, it's AI. Ah non, ça rentre pas, mais Noël il a bien suivi. Hey Noël, c'est ton jour. C'est ton jour, tu dois marquer des points. C'est ta période, celle de Noël, allez. Je sais, ma vanne elle était pourrie. Ah, il va attendre la dernière seconde Harden pour son 3 points, je pense. Est-ce qu'on peut le. On pouvait l'activer un peu là. Allez, c'est bon, il rate. And the ball travels out of bounds. It was last touched by Harden. Ah, il va tenter un shoot, je pense. Ouais. Ah, dommage. Ça aurait été beau. Fin du troisième carton, 50-39. On va faire un petit écart tranquille là, pour le moment. Sinon, d'un point de vue personnel, je sais même pas combien je suis au niveau des stats. Je suis à quoi, 18 points, 6 rebonds. 18 points, 6 rebonds, 1 contre. Ok. Aucune passe décisive, aucune interception. Ok. So for Oklahoma City right now, Nerlens Noel is out there with Steven Adams. Then there's Andre Robertson. Then there's Felton. And it's Little in at the threesome. Là, il a bien provoqué. Passes it to Robertson. Six on the shot clock. Allez, c'est bon, je l'ai récupéré. Ça passe qui a failli ne pas aboutir parce qu'elle avait été déviée. Ah merde. Ouais, c'est bon, il l'a raté.
have been board dominant in this game. That's definitely been a factor. Allez, Noël. Oui, voilà, une passe décisive. J'en aurais fait au moins une dans le match. Faut pas faire Carmelo Anthony tout seul. J'ai dit par la main. Allez, c'est bon. T'as encore raté pour eux. AI, right side. Felton the pass to Little. To the inside. And Noel kicks to Robertson. AI, outside. Out to the right wing. Puts one up from 19. Bien joué. Ah, je l'ai mis un peu au pied du mur hein, en lui donnant la balle dans les derniers instants pour qu'il joue. Et tant mieux, parce que ça me fait une passe décisive supplémentaire. Really getting beat up physically and emotionally. Now a timeout called by Houston. The Thunder went 56-39. On devrait remporter ce match tranquillement là. Able to retain Paul George, and that was the first and largest key. Getting a player like Noel for Chicago was also a big help for this group. The Thunder were at a fork in the road last season, but this team now has George. Paul, qu'est-ce que t'as fait, Paul, là? Ah, merde, ça c'est de ma faute. En plus, elle est jolie, la passe. C'est la passe du match, tu vas avoir la rage. Ah, ça rentre. Oui. Je pensais que ça allait pas rentrer en vérité. And here's Knight. He'll bring it up for the Rockets. 17-point game. Pass to Capella. The dish to Gordon. Allez, on protège le ballon. Enfin, le rebond. Ça a permis à notre équipe de récupérer. Ouais, bien joué, Russell. Ah, dommage. C'est easy pour toi, Russell. Bien joué. Bien joué. No doubt about it. The similarities don't end there. The surreal athleticism, the will to dominate, and that fight, finding grudges to motivate them to their highest level. I think there's a kinship in how MJ and Russ. Oh, il a été plus con, Capella. Pas mort demandé par le coach. Capella does a really good job of playing with such energy and effort. Particularly on the glass, and because of that, he can hurt you more. Now it's a timeout called by Oklahoma City. They're up by 17. 156 in the fourth quarter. Jay Leader. Yeah, motherfucker. And the D tried to get physical with him down low tonight, and it really backfired. Instead, he's just torn them up. He was aggressive. Cette passe, elle était belle. C'était là la passe du match. So here's Westbrook. Pulls up on the elbow, and that one drops. Yeah, bien joué. And the Thunder lead by 19. Just terrific determination. First, compiling the lead. Ah, du coup, ça me fait une interception. And that's what you want to do. I mean, you can't let the opposition off the hook here. I mean, you've got to keep adding to that lead. Robertson the pass to Little. Over Gordon. And it falls over the rim and in. T'as joué avec le cercle, il s'est rentré. And a breakdown here, guys. Ah, on a mis quand même 3 fois moins de points en seconde période pour première. On a beaucoup moins joué aussi, je crois. Yeah, but they've also done a great job of playing in space, getting out in transition every opportunity. Inside, down to 5
Ah, c'est bien joué, ça. Bonne action construite par les Rockets. Ah, dommage. En plus, ça se sentait. Hein. Ah, dommage. C'est pas tout à fait loin de le contrer, quand même. Ah, celui-là il rentre. Très bon timing. 27 points, on peut s'arrêter là. Comme notre numéro. Numéro 27 points. Et ça, c'est toujours quand j'essaye de faire une interception là que je monte sur le porteur du ballon. Frustrating to say the least. I mean, don't even know why they're trying anymore. This one is a wrap. Night against Westbrook. Oh, joli. And leaving nothing to chance here on this game clinching run. Exactly. Cold blooded. Separation solidified. Great effort. To the middle. Here's Anthony. Misses the fallback J. Allez, c'est bon. Victoire 69-49. Je suis meilleur rebondeur du match. Victoire de 20 points. 20 points quand même contre les Rockets. On a fait une bonne performance. Bonne performance collective. For Greg Anthony, Clark Kellogg et David Aldridge. This is Kevin Harlan. Avec les meilleures versions. Ah, les meilleures actions. Ah, celui-là, il était buté au second. Dans ta face, Carmelo. Ouais, il y a eu un bug, j'étais retourné sur le playground. Je sais pas si vous l'avez vu. Normalement, je prends 1449 décibels plus. On a fait 6 rebonds. On est actuellement 8ème dans les votes All-Star pour atteindre le top 5. 99% en temps de l'équipe, mais on n'avait pas gagné un plus 5% au début là. 27 points, 6 rebonds, 2 passes, 1 contre. Here's the guy I'm looking for, AI. Yo, what's up, man? Oh, I got you lined up for an interview. If encore that's okay. Une interview. Oh yeah, let's do it. Perfect. Non, je veux pas. Laissez-moi le choix là. Alors par contre, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais ils m'ont mis un mono sourcil. C'est n'importe quoi. Hey, this is ah, j'ai un sacré mono sorti dessus. Mon dieu. Ça fait un bug, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites différemment en ce moment? Ouais, oh, man, you know, Shaq, sometimes adrenaline takes over and I just decide it's time to go out there and put on a show. You know, I'm a man of the people and the people won't win, so that's what I'm gonna give them. You're not a man, you're an animal. Moins 5% dans le temps de l'équipe. C'est pas très grave. Ils m'ont mis un de ces mono-sourcils, ces connards. Ils m'ont pris pour Anthony Davis ou quoi. Ah, les enfoirés. Ah ouais, tiens, quand on part du loup.
Ok, donc du coup. Alors déjà, 2372 ici. On n'a pas assez encore pour améliorer le shoot à 3 points. On peut améliorer une interception, une fois le contre, une fois la détente. En fait, peu importe ce que j'améliore de 1, avec les 10 que j'ai, je passerai au niveau 67. Non, pas celui-là. L'endurance faudra en mettre 2. Ouais, je vais pas faire d'amélioration tout de suite. Je vais juste faire. Bah, je sais pas, vu que c'est un match à la télé, peut-être que c'est différent. Ouais, mais les Suns, je les ai déjà affrontés en vidéo, donc. Ouais, c'est pas grave. Allez, on enchaîne. On va quand même améliorer quelque chose. On va dire, tiens, les contres. Voilà, on va améliorer les contres. Ça, il nous reste 735. On peut rien améliorer d'autre, de toute façon. Non. Ouais, allez, on va partir tout de suite. On va faire le match contre les Suns. Voilà. AI, your turn. Ok, coming. Bah, ce sera pas pour tout de suite. Mais je vais enchaîner avec le match contre les Suns. Et après le match contre les Suns, je m'arrêterai là pour la vidéo. Good luck. Je ferai bien des vidéos beaucoup plus longues, mais ça prend trop de temps après pour uploader et tout ça. Donc, sachant que j'ai pas un PC énormément performant. La dégaine que j'ai avec ces lunettes et cette casquette. Alors, un match aussi équilibré. Not really. How about this? Ah, that was good. Any other questions? No? Okay. Well, great win tonight, you know. Yeah, great win. Moins 10% dans le ventre de l'équipe. Ouf. Bah, chute est sévère. Ah, c'est pas grave. On va remonter l'entente de l'équipe de toute façon pour le match. Non. Pourquoi ils veulent me faire quitter le jeu? S'en fout. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais il y a l'air d'avoir des petits bugs encore là, hein, avec cette mise à jour. A pas l'air au point cette mise à jour quand même. Enfin bref. Bah trop tard. J'ai appuyé avant de recevoir le message. Ouais, c'est pas grave. On regardera le message après le match. Comme ça, on se déconcentrera pas. On reste focalisé sur le match. Allez, hop, hop, hop. Du coup, on se retrouve face à Trevor Ariza.
Allez, je connais même pas du tout le bilan de l'équipe adverse, ni l'autre d'ailleurs. J'ai une cuillère pour mettre en été avant le match contre les Rockets. Je crois que c'est un 27-8, un truc comme ça. Faut surtout pas sous-estimer quand même les Suns. Bien joué. Well, the biggest thing I believe has to be dictating the tempo, something they've done a poor job of in the two losses. Allez hop, on commence avec un 3 points. Et j'ai encore oublié de regarder c'était quoi mes bonus. Ouais, c'est pas grave. Steven Adams is out there with AI. And it's Westbrook in at the one spot. When the super teams are dominant game after game, some people are going to ask, what's the point of even playing a game? Well, in the regular season, I hear that all the time, and I sort of laugh at it because this is what the season is about. Sure. 82-game grind, having competition not only with opponents, but within yourself, within your team, battling for minutes. And we understand that a lot of these teams are built to win in the postseason. Yes. Doesn't mean much for them. They're going to qualify for the playoffs, but there are other teams in this league, Kevin, trying to fight to improve. And on nights where you have opportunities to play against that kind of dominant team, a coach can say, see the potential, see what is possible. We just saw it. Ah, merde. Je vais avoir quand même bleu. Oh, il l'a raté. No doubt about it. And you can stack yourself up against these super teams that roll into your arena to find out exactly where you are. And sometimes winning a game like that for a coaching staff, they can say, let's use this momentum to build on it. We just ouais, beat one of the better teams in the league. So psychologically it works. C'est pas comme ça que je la voyais au départ, mais c'est pas grave. L'important c'est que ça rentre. Picture perfect start here to this game. They've connected on all three looks. Okobo doesn't go. Allez, hop. Un petit rebond. For Oklahoma City, they've gotten their la passe pour Paul George. Super, deuxième passe de Philly. That one drops for him. Now their offense is rolling. A perfect start, 4-4 so far. They need a bucket in a big way here to regain some confidence. Allez, c'est bon, il le rate. Right now they're like a light switch in the off position. 1-5 so far, not an ideal start. Oui. Catch and shoot. Aggressive coming out of the gate here, guys. Wow. And already the lead is significant. Excellent play on both ends. Now here's Booker. He's coming off a 37-point game against Orlando. And nothing is falling. Allez hop, on est là au rebond. Robertson. Ah, il perd la balle. Passionate about the game of basketball, Brett, we know that, but fashion among his foremost interests outside the game. Yeah, the honor, the gift fashion line, which, you know, Kevin, you and I don't think we have much in our closets from that, but gotta respect. Oh, joli, Steve Adams, son deuxième rideau. Off the court in some of the attire that Russell Westbrook brings to the game. Et la contre-attaque réussie par notre équipe. Westbrook's got his first points of the night. And already with the commanding lead, a terrific offensive performance. Ah, c'est bien joué ça. Steven Adams qui vient en second rideau pour contrer Arisa. Oh, il commence à pleurer. Ah, je suis méchant. 14-2 pour l'instant. Hein. Dans ce premier carton, on va sortir. Je sais pas. Voilà. Alors, 14-2, 22-14 du coup quand on rentre. Second quarter, and we're just over a minute in. And it's Abrines in the corner. Il a pas osé tenter. Passes it to Schroeder. 18 feet out. It's ouais, c'est bien joué. Schroeder's got his first bucket in this one. Même si tu m'as ignoré deux fois. The game plan seems to be working. It looks like this team has finally gotten into the club and found its rhythm. Their best to pull away. Ayton is out there with Josh Jackson. Then it's Trevor Ariza. And it's Daniels in at the shooting guard. Who's out there for Phoenix. Five to shoot. Stolen by George. Bien joué, Paul. Update here, so let's check in with David Aldridge. Oh, ça par contre c'est mal joué.
Hi, Kevin. Well, AI in their last time out against the Rockets delivered quite a performance. He finished with 27 points and was effective from long range as well, with a number of threes. Ah, dommage. He really had his fingerprints on the game. Did pretty much whatever he wanted. It'll be interesting to see how he follows it up here tonight. Great, David. Appreciate it. Well, he set the bar pretty high for himself with that performance. He did. I mean, but we know he's going to try to raise that bar again tonight. No matter how good he is, he's always thinking he can do better. And the great players are never satisfied. We'll see what he does in the next one. Good from outside. Suns trail by eight. Russell Westbrook with two straight seasons. Two. Of averaging a triple double. This is a feat that we thought un peu leur retard, would never là. See again. And Russell backed up the one campaign with another. Just remarkable stuff. Porter passes to Adams. AI left side. La faute avec le dommage. Je pensais marquer et avoir un N1, mais non. I'm not sure how much Russell actually feels it. Ouais, on réussit le premier, ça veut dire qu'on va rater le deuxième. Staggering, eye-popping numbers. And to get where they want to go, I think they're going to have to find a way to compliment him in some way, and he's going to have to trust in those teammates in order to push the envelope a bit. Robertson, he's checked in for Oklahoma City. Westbrook comes in for Dennis Schroeder. Oui. Ah, dommage. J'ai arraché la balle, mais j'ai pas réussi à faire interception. Ouais, bien joué, les gars. Bonne défense. Ah, dommage. Mauvaise passe. Attention, il faut que je revienne. Ah, je suis sur mon joueur. Outside Jackson. Now Daniels. Currently averaging almost 6 points a game. Down to 5 on the shot. Ça bouge beaucoup. Okobo. Oui, le rebond de justesse. Ah, dommage. Ah, dommage. I give a ton of credit to the screener there. That was a perfect pick to give his teammate the space to knock down the shot. In the corner, it's AI. Fires for three. Ah non. With the rebound. Host the Denver Nuggets after this. J'ai bien pris mon temps pourtant. Oui, interception. And George kicks to Westbrook. Westbrook, yes. Il a le N1. Well, body and control isn't just for your shampoo at home. It's une interception qui aura servi à quelque chose. Ah, dommage. Bridges against Felton. Pass to Holmes. And it's Noel with the rebound. Je me suis opposé. Sans faire de faute. Ah, dommage! Elle me tape sur la main, mais j'arrive pas à la contrôler. Allez, à la mi-temps, on mène 28-20. Qu'est-ce que je te dis, c'est du beau cœur. C'est pas monté sur lui, non? Ah ouais, mais bon, si je vais serrer du beau cœur quand il est sur la ligne, je vais laisser un autre joueur de libre. Du coup, je vais corser des dépasses intérieures et des points. The circumstances of Billy Donovan moving off of what he did at the University of Florida, making that a powerhouse Division I basketball program, it's been very interesting. Russell Westbrook and Kevin Durant to begin your career, and then pushing that team to almost beating the Golden State Warriors.
Il y a deux petits points dans la casa. Billy Donovan seen a lot in the early part of his career. The hope is that he continues to grow and learn. Really happy with the hire of Billy Donovan and what he brings to the table in terms of his basketball acumen. So for Oklahoma City right now. Ah, c'est Adams qui a fait faute. Adams in at center. And Ariza much improved as a free thrower over the course of his career. This is his first trip to the line tonight. And take a look at what he's been able to do at the free throw line. 82% more than acceptable. And Trevor Ariza, such a steady veteran. Jolie cette passe à l'hoop de Russell pour George. Et super bonne. Bien joué les gars. C'est la plus belle action du match ça pour l'instant. Allez, c'est bon, c'est raté. Et je prends le rebond. Russell, ouais. Right where you'd expect him to be, firmly in the driver's seat. Suns trail by 12. Hey, temps mort demandé par les fans. Brett, last season the league cut back on timeouts. Are you hearing any other ideas of how to reduce the duration of some of these games? There's also the idea last year where they put it into the second quarter ended. Moins de blabla et plus de jeu. Ah bah du coup je suis sur le bon, donc 34-22 à 3-36 de la fin du troisième carton, et on rentre à 1-3 de la fin du troisième carton, et il y a 42-41 et Booker sur la ligne de lancer franc pour égaliser. Ah là là, l'équipe elle a merdé. Ouais c'est bon, il l'a raté, je prends le bon. Entering the league, Devin Booker really had some troubles on the defensive end. So as much as we talk about offensively him trying to get better on the defensive end, he needs to learn how to be in better positions. Felton against Bridges. Five to shoot. Ouais, bien joué, Schroeder. Down low, it's stolen by Schroeder. 29 seconds left in the third quarter. AI can't hit. So Booker will bring it up for the Suns. It's a one-point game. There's 14 seconds left to play here in the third. Shot clock at 6. Kicks it out to Ariza. In the corner. Ah, c'est bon, c'est raté. Fin du troisième carton, 42-41. Les Suns qui sont revenus. Il va falloir passer la vitesse supérieure là, les mecs. Hein. La passe du match. Eh oui. To prevent that basket. That's what great passing will do for you right there, dissecting the defense. Ah, ceux qui ont la balle à l'entrée de ce quatrième carton. Donc ceux qui ont la première possibilité de passer devant. Booker out there with Bridges, and it's Chandler, and there's Rashawn Holmes, and it's Ariza. C'est bon, c'est raté, on prend le rebond. Allez, faut accélérer. Oui, la faute. Dommage que j'ai pas le N1. The Suns have given shooting guard Devin Booker a say in all of the franchise's major decisions. You know, like hiring a coach, free agency, the draft. Ah merde, j'ai raté le premier. Is that the right approach? I'm not sure how much of that is true, Kevin. They might have asked, but 1 sur 2. On revient à notre 1 sur 2. I'm not sure. Devin Booker does not quite have the cachet of veteran players that have played 10 or 12 years and a lot of playoff wins under their belt. Donc trouver le bon espace. Feel good for him, I'm sure, to be part of the collaborative. And it's official. They have come all the way back. At one point, this thing seemed to be out of reach. This is a testament to this team's fortitude, never giving up, folks. We've got a new ball game. Little. Hey Noël, bien suivi. Mon shoot à 3 points était pas bon. And
a pure hustle play, getting to the offensive glass for the tip. Mais je sais que je peux tenter les 3 points parce que j'ai les pivots de l'équipe qui sont toujours bien bleus quand même pour prendre les rebonds. Avec Adam, c'est Noël. Ouais, et le contre. Oh, dommage, il récupère. Ah, il a encore la balle. Ah, et lui, il marque. Quel dommage. Enfin, je peux activer le takeover. Ça, ça va m'aider, normalement. Oklahoma City shooting it up around 51%. They're getting good looks. Here's Robertson, defended by Booker. Allez, démarque-toi, vas-y. Oui, bien joué, Felton. C'est bon, t'as marqué un 3 points, on ne va pas te virer. I like that recognition. Effortlessly getting his teammate the ball in a spot where he knows he can do something with it. Pass to Holmes. Ah, je vais pas y faire une interception. Ah, c'est bon, il le rate. Le rebond de Noël. So the Thunder will take it the other way. They've held a 12-point lead earlier. Poked away. Ah, on va te virer à nouveau, c'est le temps. Ayton, he's checked in for the Suns. Josh Jackson comes in for Trevor Ariza. And then for Oklahoma, Steven Adams comes in for Noël. And Russell Westbrook is subbed in for Raymond Felton. Okobo, he's covered by Westbrook. Ouais, bien joué, Paul. Allez, Russell, tu continues. Oh oui! Une belle confusion. Bah, avec toute la rage. Westbrook with a chance to put this team away. Suns trail by four. Booker outside. Okobo, he's covered by Westbrook. Holmes picks to Booker. Five on the clock. The Suns need to get a shot off. They get it back. Rampa, rampa. Ouf. Ah, c'est Russell qui a fait faute. And you don't ever want to get into the habit of letting the offense get to the rim. He drops the first one and that narrows the lead down to just three. He's perfect from the line this time. And that would have been a killer if he missed one of those, but he was rock solid. That trims the lead now to a one possession game. Ah, et ça rentre toujours pas. J'arrive pas sur ce match à mettre les 3 points assassins. Ah, il a marqué. Il a égalisé. Okay. Bon, il reste encore une 34. C'est serré. 49 partout. Je pensais qu'on allait la prendre pas si loin quand même cette rencontre. Hein. Là, on fait encore homme du match. And he's provided them with a major mismatch on that low block tonight. That they've been able to lean on his scoring in the paint. And if nothing else has worked, he's given them a reliable option on every possession. And Phoenix making a change here. Ariza's checked in. AI outside, kicks it to Robertson, back to AI, in the corner, it's Westbrook. Bien joué, Russell. And he banks in the lane, and the Thunder lead by two. Now, there's a lot of big men in the league who aren't as skilled in the paint as Russell Westbrook is. Booker, left side. Jackson. Back to Booker. Oh,
Ah, il le met. Pas vrai. J'aurais dû revenir, j'aurais dû aller plus tôt sur lui. Yes. Well, your best players want to take on the burden come clutch time, and Paul George carries. Ah, j'aimerais bien mettre un 3 points quand même pour les assassiner là sur cette fin de match. They're down by 2. There's 37 seconds left in the fourth quarter. Guys, your thoughts? Hey, they do have enough time here if they shoot quickly to get the 2-1. We'll see if they try. Okay, well, let's go down to David Aldridge for a report from the sideline. Guys, over that last break, I listened to Igor Kokoskov address the team. He told them, look, guys, we're running out of time. Hey, c'est bon, ils ont raté. Make a move. It's got to be now. Are you guys ready to make a move? They all nodded, and he said, then go take it. Kevin? To the wing on the left. AI outside. From deep. Hey, j'ai tenté. J'aurais peut-être pas dû. À 12 secondes. Hein? They trail by two. Si on perd ce match, ça risque d'être de ma faute. Guys, your thoughts? You know what? You can go for the 3 to win or the 2 to tie. What's your choice in a situation like this? I really like when you run plays that have options. Get to either one and take the best shot available. To the middle. Ah non, en plus je fais faute. Aïe. Ouais, ça va être de ma faute la défaite. Cette seconde une, on a un point de retard. Je suis en train de tuer mon équipe. Ah, connard que je suis. Bah, il reste 7 secondes une, il y a moins de mettre un panier à 2 points au moins et de remporter le match. Ah, il y a ma musique dans le fond, donc ça va aller. Ah non, merde, j'ai perdu la balle. Ah, j'ai pas le temps de shooter. Ah, ah les gars, je suis désolé, c'est de ma faute. Ah, on a perdu contre les Suns. Ah, la foudre s'abat sur moi. Ah, je finis homme du match, mais j'ai détruit le match à la fin. Bah, bah c'est pas grave, hein, ça fera une défaite. Il faudra se reprendre dans la double confrontation contre les Mavericks. Bah, il y a à nouveau un petit bug là. Ah, j'aurais peut-être dû faire un nettoyage du PC avant de lancer ticket. Bon, en tout cas, on gagne 1315 d'ici. Ah, mais la loose, je perds le ballon à 7 secondes et quelques de la fin. Je le récupère derrière. Et j'ai pas eu le temps de shooter. Ah, de toute façon, j'étais loin, donc ça aurait été vraiment un exploit de mettre. Allez, 3.1 sur 5 aussi, dans le coin. Ah ouais. Ouais, j'ai été mauvais. Tir extérieur 2 sur 8. Et ils sont là, les points de la défaite. C'est les 3 points que j'ai ratés. Ah, quel dommage. Ouais, 1315 d'ici en plus, ça nous fait 2050 d'ici. Je veux pas d'interview, laisse-moi tranquille. Non! Je veux pas là, punaise, laissez-moi tranquille là. On a perdu, c'est de ma faute. J'ai envie de me reconcentrer sur autre chose. Bon, par contre, je sais que j'avais eu un message. Il t'a envoyé quelque chose pour te remercier. Bande de lèche qui. Bah ouais, j'ai rien dit, je suis pas y allé, connard.
s'attendait pas à un match aussi pourri. Ouais, désolé les mecs. Bon, du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur cette défaite contre les Suns. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas la première fois que je perds contre les Suns. Hein. Si je fais un petit match, ouais, contre les Suns, 75-52 défaite. Victoire 87-66. Eh, sur 3 matchs face aux Suns, on avait gagné le premier, et puis on reste sur 2 défaites contre les Suns. Est-ce que ça deviendrait pas notre... Non, on avait gagné. On en avait gagné 2. Attendez. Alors, victoire 87-66 contre eux. Victoire 68-63. Défaite 75-52. Et défaite 54-53. Ah ouais, sur 4 rencontres, on en a gagné 2, on en a perdu 2. Eh ben, c'est pas fameux. Ouais, donc voilà. Moi, du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur cette victoire contre les Rockets et sur cette défaite contre les Suns. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Sûrement la... Non, peut-être pas la double. Sûrement le match contre les Lakers, tiens. Pour recommencer, pour commencer l'année 2019. Voilà. Sur ce, salut à tous!